Dans cet exercice, on va utiliser le filtre de Kalman pour essayer d'estimer la température à l'intérieur d'une pièce. Alors, la température, c'est l'inconnu. Elle va ici être appelée X et elle est censée évoluer un peu dans le temps. Alors, on ne sait pas trop comment elle va évoluer. C'est pour ça qu'on dit que la température à l'instant K plus 1, c'est la température à l'instant K plus un bruit qui va être centré et dont la matrice de covariance est censée être connue. Alors là, ici, on a gamma alpha égale 4, ce qui correspond à un écart type de racine de 4 égale 2. Donc. Pareil, vous allez avoir, vous êtes dans un cas simple, vous êtes capable de mesurer la température. Donc YK, c'est la température vraie, plus un bruit de mesure, dont la variance est 3, donc l'écart type, c'est racine de 3. Et on va essayer, dans ce cas simple, d'utiliser un filtre de Kalman, voir ce que ça donne, pour pouvoir en fait mieux comprendre à la main, calculer à la main, dans un cas simple, on va pouvoir faire tous les calculs à la main et obtenir un filtre de Kalman qui sera à la fin un simple filtre du premier ordre. Alors, pour ça, je vais utiliser ici le filtre de Kalman qui est donné ici, et je vais essayer de voir ce que ça va donner dans ce contexte-là. Alors, ici, je vais commencer par la première équation, donc l'estimation de la température. Ça va être donné par, alors, x chapeau de k plus 1 sachant k est donné par cette équation. Alors, dans notre contexte, que vaut la matrice AK? Et la matrice CK, alors je regarde ici, on voit bien que la matrice AK correspond au scalaire 1, et la matrice CK correspond au scalaire 1 aussi. Alors, ici, dans notre contexte, AK est constant et correspond à 1, et pareil, CK correspond à 1. Alors le filtre de Kalman, je prends la première équation, je vais obtenir, alors cette première équation me donne que x chapeau k plus 1, k plus 1 sachant k, ça va être égal à la matrice A qui vaut 1, donc c'est x chapeau de k sachant k, plus U qui vaut 0 dans notre contexte, puisque dans mon équation, j'ai rien qui vient se rajouter, j'ai juste le bruit de mesure qui va intervenir ici. Alors maintenant, deuxième équation de Kalman, alors là on vient de traiter celle-là, on va maintenant traiter la deuxième, que voilà. Alors cette deuxième me donne, alors je vais mettre une virgule pour les séparer, gamma de k plus 1, sachant k, qui vaut, bien évidemment ici, a valant l'identité, ça va être gamma de k sachant k, plus gamma alpha. Alors ici, gamma alpha est donné, mais je vais le recopier tel quel, hein. On va les remplacer à la fin, plus gamma alpha. Alors, je vais pouvoir prendre, ça c'est la partie prédicteur, je vais pouvoir utiliser la partie correcteur qui est donnée à gauche. Alors la partie correcteur, je vais prendre la première des équations, celle-là, puis ensuite la deuxième, etc. Alors, que me donne la première de ces équations? Alors, je la recopie ici. Je vais avoir x chapeau de k sachant k qui vaut. Alors, c'était x chapeau de k sachant k moins 1 plus
le gain de Kalman, K, multiplié par l'innovation Y tilde K. Donc là, je recopie bêtement ce qui était donné ici, dans le niveau de la première ligne. Alors, je vais recopier l'autre ligne. Gamma de K, sachant K, ça va être égal à quoi? Ça va être ici égal à 1, parce que l'identité c'est 1, moins le gain de Kalman, multiplié par gamma de K, sachant K moins 1. Voilà. L'innovation, bah, l'innovation, rien ne change. Y tilde de K est égal à Y. K, alors ici c'était moins C, mais C vaut 1, de X chapeau, de K sachant K moins 1. Ensuite, ma matrice SK, la covariance de l'innovation, c'est égal à gamma de K sachant K moins 1. Alors, je viens relire ici quand même. Parce que la matrice C vaut 1. Et puis ici, je rajoute la matrice de covariance pour bêta. Puis ensuite, je mettrai K, bien sûr, avec C qui vaut 1. Alors voilà, je les ai peut-être presque toutes recopiées. CK, c'est celui-là, plus gamma bêta. Et le dernier, le gain de Kalman, K, égale à gamma de K, sachant K moins 1, C vaut 1, multiplié par SK moins 1. Donc voilà, je viens, tout ça, ça correspond à mon filtre de Kalman dans l'exemple que je suis en train de considérer. Alors, que me donne l'exercice? Tout d'abord, l'exercice me dit que gamma alpha égale 4, gamma bêta égale 3. Donc, ici, ce terme-là vaut 3. Et le gamma alpha, qui est là, il vaut 4. Bon. Alors, ici, pareil, il y a beaucoup de quantités qui sont des scalaires. Je vais peut-être... on va traiter le... Alors, je regarde comme la première question. La première question, on veut une expression de x chapeau k plus 1 sachant k en fonction des quantités à l'instant précédent, mais aussi de ma mesure y de k. Bon, ben là, il va falloir... les écrire, je reprends ces équations, et bien sûr, je vais essayer d'écrire ces quantités-là, alors cette quantité-là, et cette quantité-là, ça c'est ce qu'on me demande. Et on se rend bien compte qu'on fait intervenir ici cette quantité-là qui est donnée là, voilà, cette quantité-là, qui est donné là, donc je vais tout substituer de façon à les faire disparaître. Donc ici, je vais avoir, alors pour le premier, x chapeau de k plus 1 sachant k, qui vaut combien? Alors, c'est cette quantité-là, donc ça va me donner du x chapeau de k sachant k moins 1, du fait de cette quantité-là, plus le gain de Kalman, alors, plus le gain de Kalman, multiplié, alors, le gain de Kalman, il est là. Alors, le gain de Kalman, qui est là, je le retrouve ici, et il est donné par ça. Alors, le
cotidien de Kalman, c'est gamma de k sachant k moins 1 divisé par sk. Sk, c'est cette quantité-là. Donc c'est gamma k sachant k moins 1 plus gamma bêta. Alors le gamma bêta, il vaut 3. Attention. Plus 3. Voilà pour mon gain de Kalman. Alors ici, multiplié par y tilde. Alors le y tilde, hier. Donc, je vais devoir le mettre ici. Y tilde, c'est égal à y de k moins x chapeau de k sachant k moins 1. Voilà. Donc là, j'ai répondu à une première partie de la question. Il va falloir que je fasse la même chose pour gamma, alors pour la deuxième, c'est celui-là, gamma de k plus 1 sachant k. Alors, ici, gamma de k plus 1 sachant k. Égal. Alors ici, je reprends cette formule-là, donc la formule qui était donnée au-dessus. C'est une partie. Alors, une partie, vous vous souvenez, voilà. C'était toute cette partie-là, plus gamma alpha. Et gamma alpha vaut 4. Donc ici, j'avais donc plus 4. Plus 4. Avec ici la partie qui était devant, qui correspondait à gamma de k sachant k moins 1. Alors ça, c'est ce qui correspond à ça. Alors maintenant ici, devant, il va falloir que je mette le... dans la parenthèse, il va falloir que je mette ça. Donc ça, c'est ce qui va correspondre à ce qu'il y a dans ma parenthèse. Donc ici, je vais avoir un 1 moins. Alors, pareil pour k indice k, comme tout à l'heure, c'était cette quantité-là, alors la même que celle qui était dessinée en orange, là. Donc c'est gamma de k sachant k moins 1 divisé par gamma k sachant k moins 1 plus 3. Donc ici ce que je viens de faire, c'est le fil de Kalman dans mon cas particulier s'exprime celui qui est là c'est un filtre qui admet pour entrer deux choses. Alors il admet pour entrer x chapeau l'estimé de k sachant k moins 1. Il admet aussi comme entrée gamma de k sachant k moins 1. Mais il admet une autre entrée qui correspond à yk. Et en sortie de ce filtre, je vais avoir deux choses. L'estimé x chapeau de k plus 1 sachant k, et je vais obtenir la matrice de covariance associée k plus 1 sachant k. Donc voilà, ça c'est ce que vous avez ici, là, ce boîtier là, c'est ce qu'on appelle le filtre de Kalman. Lorsque les matrices A, C, que les matrices de covariance pour alpha, pour bêta ne dépendent plus du temps, on a devant nous un système stationnaire, donc il ne dépend pas du temps. Et dans ce cas-là, le filtre de Kalman peut se simplifier en un filtre qui est dit asymptotique. Alors si je reviens ici, je remonte,
Voilà le fil de Kalman. Au bout d'un temps très grand, on va avoir gamma de k plus 1 sachant k qui va être égal à gamma de k sachant k moins 1. On va avoir a qui ne dépend plus du temps, gamma alpha qui ne dépend pas plus du temps. Donc ces équations vont se simplifier et j'aurai donc le gain de Kalman ne dépendra plus du temps lui non plus. Puisque cette quantité gamma de k sachant k moins 1 ne dépend pas du temps, que c ne dépend pas du temps, sk ne dépendra plus du temps, etc. On va clairement avoir un filtre beaucoup plus simple, que je ne vais pas donner ici, mais qu'on va traiter dans ce cas particulier. Qu'est-ce qu'on va devenir lorsque les choses ne dépendent plus du temps? Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'au bout d'un temps suffisamment grand, on va avoir pour k allant vers l'infini, hein, on va avoir gamma de k plus 1 sachant k qui va être égal, alors sachant k moins sachant k, si vous voulez, ça va être égal à, ou on peut dire que la différence avec de k sachant k moins 1, ça va tendre vers 0. Cette quantité-là, on va l'appeler, alors on va dire que ça converge vers quelque chose que je vais appeler gamma infini. Donc celui-là va aussi converger vers la même valeur qui va s'appeler gamma infini. Alors, je vais reprendre cette équation-là. Je vais regarder ce que ça va me donner. Alors, cette équation-là, alors la deuxième équation que je considère, donc c'est celle-là, ça va me donner gamma infini qui va être égal, alors ça va donner du 1 moins gamma infini divisé par gamma infini plus 3, le tout multiplié par gamma infini plus 4. Bon, alors là, je ne dépends plus de k. C'est un comportement asymptotique. J'en déduis donc de ça que, je vais faire apparaître une équation du second degré, gamma infini au carré moins gamma alpha gamma infini. Alors là, on n'a que des scalaires. Hein. Moins gamma alpha gamma bêta égale 0. Alors ce raisonnement que je viens d'appliquer dans le cas scalaire, ça peut s'appliquer dans le cas beaucoup plus général où x est un vecteur. On obtient en général une équation du second degré qu'on appelle une équation de Riccati où l'inconnu est une matrice de covariance gamma infini. Alors ici, comme on est dans un cas scalaire, on peut le résoudre assez facilement. On va obtenir, alors dans le cas plus général, on va être obligé d'utiliser une méthode numérique, mais je ne vais pas l'expliquer ici. En fait, il suffit d'appliquer plusieurs fois. Alors, dans le cas général, il suffit d'appliquer plusieurs fois cette équation que vous avez ici. Alors attention, A est constant, hein, bien sûr. Avec, en la combinant avec celle-là, donc il suffit d'itérer plusieurs fois, et vous allez vous rendre compte rapidement que gamma de k plus 1 sachant k va converger vers une matrice au bout de quelques itérations. Et ça va correspondre, celui-là va converger vers une quantité qui sera une matrice de covariance gamma infini. Et c'est ce qui revient à résoudre cette équation de Riccati. Donc une équation de Riccati, c'est une équation du second degré où l'inconnu est une matrice de covariance. Pour nous, c'est un scalaire qui devrait être positif. Donc gamma infini, il vaut quoi ici?
Je résous cette équation, gamma infini égale, alors ça va me donner gamma alpha, donc ça va être gamma alpha. Gamma alpha, plus ou moins racine du discriminant. Alors ici, ça va me donner du gamma alpha au carré plus 4 gamma alpha gamma bêta. Tout divisé par 2. Ça, maintenant, je connais gamma alpha et gamma bêta, ça me donne du 4 plus racine de 16 plus 4 fois 4 fois 3, donc plus 4 fois 4 fois 3. Le tout divisé par 2, et ça c'est égal à 6. Donc voilà le gamma infini. Donc ça veut dire que maintenant, je n'ai plus réellement besoin de cette équation-là, et que je vais remplacer cette quantité-là par 6. Et cette quantité-là par 6. Donc, je vais avoir une simplification. Alors, tout se divise par 3. Il va me rester ici 2 tiers. Donc, en effet, 6 divisé par 9, ça fait bien 2 tiers. Donc, l'ensemble qui est là, tout ça, là, dans mon cas particulier, en asymptotique, ça fait du 2 tiers. Et je vais donc avoir réécrire le fil de Kalman dans mon cas particulier, qui me dit que l'estimation de la température x chapeau k plus 1, c'est égal à x chapeau k plus 2 tiers fois l'innovation yk moins x chapeau de k. Donc, voilà mon fil de Kalman. Mon fil de Kalman va admettre pour rentrer ma dernière mesure y à l'instant k, et il va me sortir l'estimation de cette température. Voilà le fil de Kalman. Alors là, il est un peu dégénéré, mais des fois, il arrive que dans du matériel, on vous vende un fil de Kalman qui est tout simplement un filtre du premier ordre, comme vous avez ici. Donc, comment on peut comprendre ça? On peut comprendre que l'estimation de la température à l'instant K plus 1, c'est la même que celle à l'instant K, c'est donc c'est une moyenne entre ce qui se passe à l'instant K et la nouvelle mesure de température. Donc ici, sous cette forme-là, on a l'innovation qui est bien sûr la différence entre ce que vous avez prédit et ce que vous mesurez, et vous venez modifier légèrement, vous venez modifier ici de 2 tiers, ça va dépendre de vos matrices de covariance, de votre bruit, tout ça, mais le fil de Kalman vous permet de calculer ce gain de 2 tiers pour savoir comment modifier votre prédiction à partir de l'innovation, c'est-à-dire la différence entre ce que vous mesurez et ce que vous avez prédit. Voilà pour cette question. Dernière question. On se place maintenant dans la situation où gamma infini égale 0. On vous demande de regarder ce que devient gamma infini et d'interpréter. Dans cette situation, on n'a pas de,
On n'a pas de bruit d'état, ce qui signifie que la température, elle n'évolue pas du tout. Alors, le gamma infini, c'est la matrice de covariance au bout d'un temps infini. On va voir ce que ça donne. On avait ici l'équation. Je vais reprendre cette équation-là. Et cette équation-là, que vous avez ici, puisque gamma alpha égale 0, je peux en déduire que forcément, gamma infini égale 0. Ce qui signifie que je n'ai plus du tout d'incertitude. Au bout d'un temps très grand, j'ai la température exacte.